Bonsoir, Marie-Christine Eustache, live jour 9 sur 30 de ce challenge que je me suis lancé. Je laisse Facebook vous indiquer que je suis en direct et au plaisir de vous accueillir pour vous partager aujourd'hui une chose à la fois. Pourquoi une chose à la fois? Bien parce que bien souvent, c'était mon cas pendant très très longtemps. Je faisais plusieurs choses en même temps. C'est peut-être votre cas aussi aujourd'hui. Et aussi, quand on est maman, eh bien souvent, on est en train de faire un truc et on en fait un autre en même temps, et etc., etc. Et ça finit en général par faire des bêtises. Bonsoir, je vois qu'il y a un petit œil qui se connecte. Vous pouvez me faire un coucou, mettre un commentaire. Pour ceux qui regardent en replay, bah, n'hésitez pas à mettre hashtag replay. Et donc faire une chose à la fois, c'est aussi travailler en pleine conscience. Pourquoi c'est important de le faire? Après, à vous d'expérimenter surtout, et je vous invite vraiment à expérimenter ça, c'est que ça permet d'être beaucoup plus détendu et d'être plus relax. Et mine de rien, eh ben, quand on fait une chose à la fois, eh bien, on y passe moins de temps. Et oui, c'est aussi surprenant que ça puisse paraître. Bien souvent, quand on essaie de faire plusieurs choses en même temps, c'est parce qu'on se dit, ouais, mais non, mais on n'aura pas le temps de tout faire, etc. Donc, on fait plein de choses et du coup, on oublie et on rate et etc. Et ça ne veut pas fonctionner. Alors que quand on est 100% présent, que l'on fait une seule action à la fois, et qu'on va jusqu'au bout, eh bien au moins les choses sont posées. Et là, hier, non, vendredi, j'ai reçu mon planning, voilà, pour mes temps de travail en tant que conseillère clientèle, et donc mon planning a changé. Donc je suis en train de mettre à jour, évidemment, sur mon agenda, de prévoir les plages où je vais être disponible aussi pour les rendez-vous. Pour les personnes que j'accompagne, et puis de prévoir aussi tranquillement avec mon chéri bah, les week-ends et les sorties que l'on peut faire. Et comme ça, quand on fait une chose à la fois, bah, voilà, on envoie les messages aux copains pour aller faire une sortie moto. Je viens d'appeler ma mère pour prévoir un jour pour faire un repas pour fêter son anniversaire, le mien et la fête des mères. Comme ça, on va faire groupir en même temps et voilà prévoir ce que l'on va faire cette journée-là. Donc si c'est quelque chose que vous faites pas encore, de travailler en pleine conscience et de faire une chose à la fois, ben écoutez, je vous invite à creuser le sujet et au plaisir de vous accompagner là-dessus. J'ai pas mis de non, j'ai pas de support à vous proposer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pleine conscience, ça se travaille avec quelqu'un. Pourquoi avec quelqu'un? Parce que on va travailler avec quelqu'un qui fonctionne en pleine conscience. Et c'est son énergie, sa présence, sa qualité de présence qui va faire que notre cerveau va ralentir. Et au début, c'est vraiment comme ça que j'ai pu aller dans cette voie-là, parce que j'avais vraiment mon cerveau, mais qui partait dans tous les sens. C'était, il y avait une idée, et puis une autre, et puis une autre, et puis je savais même plus le truc du début pour lequel j'avais commencé. Et peut-être que ça vous arrive vous aussi de commencer quelque chose, d'aller dans une pièce, et puis d'être distrait par, ah oui, tiens, mince, ça, il faut que je le range. Donc on prend la chose qui est à ranger, on va la mettre là où elle doit être rangée, mais en cours de route, on a croisé autre chose. Voilà. Et comme ça, on arrive au bout d'une heure à avoir navigué un peu partout dans la maison sans finalement avoir avancé. Parce qu'on se dit, mais au fait, j'étais partie pour faire quoi? Et donc, on revient au point de départ pour faire la chose. Ça m'arrive encore quelquefois, si je suis distraite, si j'ai pas pris le temps de m'ancrer. De me poser. Et là, du coup, je vois évidemment les dégâts parce que
bah, je perds du temps et puis ce que j'avais prévu de faire n'est pas fait, évidemment. Voilà, donc au plaisir, bah, si vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin de la pleine conscience et du moment présent, bah, au plaisir de vous aider là-dessus. Sur ce, je vais continuer la mise à jour de mon planning pour mettre les créneaux disponibles pour les accompagnements. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Enfin, à demain, de toute façon. On se retrouve demain pour le live. Bonne soirée.